Elmarine a-t-il demandé des dérogations pour la destruction d'espèces protégées ? Bien qu'Elmarine applique les mesures éviter, réduire, compenser, un risque faible subsiste d'impacter quelques spécimens de certaines espèces identifiées. C'est dans ce contexte qu'Elmarine a réalisé ses demandes de dérogation. Un avis conforme a été déposé par la ministre de l'Environnement.